En vrai, franchement, les hôpitaux, ça avait pas peur, hein. Les gens, ils sont tous morts. Ils devraient... Let's go. On a commencé le chapitre, donc on a pris une béquille. Chapitre 2, Rakan. Les yeux omniscients. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans les yeux? Oh, une chaise roulante. Il y a une chaise qui est apparue. On va s'asseoir dessus. Oh mon dieu. Je peux rien faire. On peut juste s'asseoir. On a l'impression d'avoir pris une chaise électrique. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression de... Vous êtes pris à une chaise électrique. Oh, what? La maison a changé. Mais oui, on est dans la maison, mais dans différentes époques, en fait. Différentes périodes, non? C'est pas du tout la même maison. C'est plus vieux. Désolé. Il est là, regardez quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ah merde. Bonjour. On va passer par là. C'est verrouillé, il nous faut une clé. Oh, il a disparu. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de manger. Je pense qu'il y a quelques soucis, hein. Mais qu'est-ce qui cloche avec cette radio, bordel, là? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, bordel? Oh, vaut mieux pas que ce soit ce que je crois. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes qui, bordel? Ok, donc lui, il subit aussi des attaques paranormales. Paranormales. Est-ce qu'on serait le fantôme là? Là il va apparaître sur la chaise, je pense. Oui. Charabia. D'accord. Il dit plein de trucs à la con. Il est devenu fou. Il cherche quelque chose. Il est en train de chercher quelque chose. Il y a un revolver sur la chaise, non? C'est toi qui as tué au début? Vous croyez que vous mourriez si facilement? Bien tenté, espèce d'enfoiré. Oh mon dieu. Bon du coup, non. Don't you fucking move, I swear to God. T'approches pas, ou sinon je te... Stop right there. What? Ah oh, mais on est en train de jouer l'entité là. Ah non, il parle pas de moi. Please. C'était pas moi le monstre, il ne nous voyait pas, mais il y avait quelqu'un qui est apparu derrière nous. Un mec en latex, on dirait trop bizarre. C'était un œil. Il y avait un œil ici, un gros œil. Et ensuite, je me suis retournée et l'œil est apparu là. Oh, on est dans l'autre monde! Regardez, c'est en noir et blanc. On est dans l'autre monde, on va s'asseoir. Je me suis mise en mode, je me suis assise aussi. Les gars, je vous jure, j'ai mes mains comme ça en mode... C'est quoi ça? Oh. Wow. Quelqu'un qui a détruit notre mur. C'est un homme qui est barbu. Il y a des cheveux. Il y a un t-shirt noir. Mais c'est quoi ça? Mais s'il n'y a rien qui va. Ah, oh, c'est trop blanc là. Oh là là. Dr. Smith? Dr. Smith? Dr. Smith? Yes, sorry, I'm with you. I have the information you requested concerning the patient that came in tonight. J'ai des informations concernant un patient. Il y a des petits échymas sur son corps. La police a également interrogé la voisine qui a appelé la police. Elle a dit l'avoir vu faire tomber des livres et lors de l'étagère a désespérément cherché quelque chose. Qu'est-ce qu'il cherchait? C'est difficile à dire. Il refuse de répondre à la plupart de nos questions et affirme que nous connaissons déjà la plupart des réponses. Il pense que nous sommes en partie responsables de ce qui s'est passé.
J'ai également jeté un œil à ses antécédents médicaux. Il a eu très mauvais cas de scopophobie. Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Of course. Bien sûr, il sera juste là. Chambre 230. 223, 33, je sais pas. Thanks, Tim. Duly noted. On est à la place du patient. On est bien à l'hôpital alors. Ok. Scopophobie est un trouble anxieux caractérisé par une crainte morbide d'être vu ou observé par les autres. Ok, donc on est à l'hôpital 306. Appel aux employés, code blanc en chambre de 323. Code blanc en chambre 323. Allô, y'a quelqu'un? 323, c'était ça? 323. 323, c'est celle-ci. Mais il nous faut une clé, faut trouver la clé de la chambre 323. Oh, la clé est ici. C'est bon, j'ai trouvé. Code blanc, urgence en chambre 323. Ok, on y va. Ouais, j'y vais. Elle est là, les gars, normalement. La chambre 323. Non, mais faut être honnête, vous savez, c'est que... Je vous défends. C'est ici. Give him the sedative. Now! Get off me! Fuck! Il a tout pété, le monsieur a tout pété. Il a tout cassé, mais en même temps, s'ils veulent l'interner, moi je comprends, tu vois. Donc là, il y a un mur, et on va regarder à travers. On a enlevé une brique, il y a une clé, les gars. Dans la chambre en face, il y a une clé, mais on ne sait pas de quoi. Vous pourriez probablement casser le mur avec le bon outil. Ok, quelqu'un qui pleure. Oh! Les toilettes qui s'ouvrent. Évidemment, les toilettes qui s'ouvrent, les gars. On sait qu'on adore les toilettes dans les jeux d'horreur. Bonjour? Y'a quelqu'un? Faut visiter... Oui, non, moi, c'est ma règle. La règle 14, ici, elle n'existe pas, les gars, je vous préviens. Ma règle, chez moi, c'est toujours aller aux toilettes. Toujours, c'est le contraire. Toujours aller aux toilettes. Donc, on va y aller. Bonjour. Ça va? Ça va? Apparemment, il y a quelqu'un qui a eu une grosse diarrhée, elle a tout cassé les toilettes. Et. Oh! Oh! On a l'objet! Ok, on va essayer de casser le mur. Avec ça, ça devrait aller, non? Ah si! Oh! C'est quoi ce mur en carton? C'est quoi ces trucs là? Ils ont même pas mis de ciment! Ils ont juste collé les briques, ils ont fait. Allez, on va mettre des briques. Il faut prendre la clé. Allez, let's go! Sinon, tout le monde peut construire des maisons, si c'est comme ça, moi je fais une maison aussi. Ok, on est dans une autre chambre. On a obtenu la clé. Et c'est la clé de... C'est meeting. La salle 3F, les gars. Salle 3F. La musique aussi éteinte. Oula! Il fait noir un peu, non? C'est beaucoup. Ah bah t'as pas du... Oh Seigneur, j'ai trop peur. Oh. Il est où là? Il arrive! Non, je vais mourir, c'est pas vrai, non. Je suis obligée de sortir, je crois. Faut trouver la salle 3F! Faut trouver la salle 3F! Oh Seigneur. Là, oh là là, elle est là. Ok, du coup, il est méchant, faudra faire très très attention. On ne sait pas s'il est possédé pour l'instant, ou si... Est-ce qu'on a fait quelque chose et qu'il nous veut du mal, je sais pas. En tout cas, elle est très puissante. Oh, putain, non, arrêtez. Non, ça fait flipper ce chapitre, j'en peux plus. Il y a une clé. Alors, c'est écrit... Aile de transit. Ok, aile de transit. Vous devez probablement... Prendre la clé, la lampe torche. Il y a une lampe torche? Ah oui. Oh, on a une lampe torche, les gars. Oh, c'est bien. Je pense qu'ils se téléportent avec les espèces de traces noires, les gars. On va pousser ça? Ah si, on peut le pousser. Aussi. Il est là. Faut trouver la salle. Transit. Ok. You
fait flipper, non, ça fait flipper, franchement, c'est trop, hein. J'aime pas. Non, c'est trop. Moi, je pense que c'est trop. C'est par ici. J'aime pas du tout ce qui se passe là actuellement. Et le fait que ça soit. Il y a une télé. Avec plein de panneaux exit. Par ici. C'est par là, je crois. C'est ici. Ok. Ok, c'est la sortie, donc on va devoir passer par ici, je pense. Oh, ouais, mais on sort en fait. On sort dehors. On se casse de l'hôpital. Enfin, non, en fait, c'est un suicide là, non? J'en étais sûr, c'était sûr. Il nous a poussé, oui. Non, c'est un meurtre plutôt. C'est pas un suicide du coup. Quoi? On revient dans la maison? What? Mais what the fuck, la maison, c'est un. C'est des enfers. Ok, on va passer par là. Faut descendre, faut suivre le gros. Le gros truc, je pense. Oh là là, non mais la maison est hantée, genre vraiment, c'est un cauchemar, non, vraiment, ouais. C'est par là-bas, ça clignote. Il y a des yeux, what the fuck? Il y a des yeux partout. C'est quoi ce bordel? Et il y a une chaise roulante derrière, ici. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oh là, il y a un œil. Ok. Il faut récupérer les yeux dans... C'est trop bizarre. Oh, faut récupérer le deuxième. Là, il n'y en a pas. Oh, quoi, quoi? Quoi? Ah 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 ah. C'est chaud. Il est hard, celui-là. D'abord, on... Quoi? Ah ah. Je l'ai flashé, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai pris des cachets. J'essaie de rester dans la lumière, les gars. Pour pas qu'ils viennent. Ok. Oh, il est là! Oui, on l'a! On l'a! On l'a! On l'a! On l'a! Let's go! Ok. Vite! Ouvre-toi! Ouvre-toi! Ok. Let's go! Ouais! On a réussi! Ok. On va s'asseoir sur la chaise, du coup. Oh! C'est qui? Oh, c'est malaisant! Oh, oh! Il est horrible le chapitre! Quoi? Non, pas l'hôpital, s'il vous plaît. C'est creepy de fou, ouais. Et l'hôpital n'a pas changé. Oh, y a quelqu'un là-bas. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous êtes gentil? Bah... Il a disparu. Ah, c'est une dame. Oh. Des culs partout. On a une clé. C'est la clé des escaliers pour la sortie. Des orteils partout. Je peux pas. Je vais péter un plomb. Désolée. C'est parti. On va descendre. Bonjour. Est-ce qu'il y a au moins du personnel dans ces lieux? J'aimerais bien trouver des infirmiers ici. Ok, il y a des traces de pas. Donc le monsieur est venu ici. Donc il va pas tarder à réapparaître. Donc on va se dépêcher.
Il y a un enregistrement, il nous faut suivi du patient numéro 9, à la demande de Smith Walter. Nom du patient, Akan Al-Mutawa. Sexe masculin, 28 ans. Maintenant que la première évaluation de Rakan a été réalisée, on peut être certain qu'il va rester là un bon moment. J'ai réussi à le faire parler de sa paranoïa. Le patient croit voir des choses. Il pense que ses capacités mentales et que sa clairvoyance les empêchent de les avoir, de l'avoir. Pour ajouter à la gravité de son cas, il est parfois victime d'hallucinations. Ces hallucinations, selon lui, impliquent des humanoïdes sans yeux qui ne cessent de le surveiller où qu'il se trouve. Il est considéré comme dangereux et qu'il a besoin d'une surveillance constante en psychiatrie. Moi, je crois qu'il est possédé par quelqu'un. C'est sûr, les gars. Ok, on est dans une petite salle. Il y a la clé. La clé est là. Le sous-sol. Les escaliers. Non, il s'en va pas, ok. Bah ouais. Oh, bah t'es bloqué. Donc il va apparaître ici, faut courir. Allez, on court. Non. On est dehors, on s'est cassé. C'est vrai, je suis pas non. En vrai, franchement, je suis en confiance dehors un petit peu quand même. Si. Bon, c'est parti, un nouveau bâtiment, je suis désolée. Hein. Quoi? Oh là là! Non! Non mais c'est abusé comment ils nous chassent hein. Mais... Ah, là! C'est là! Là! Là 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 là! Là, vite! Mais c'est ici! Oh! C'est bon. On a trouvé! C'est bon, on a trouvé. Ça... Oh, c'est hardcore. Ah, ils nous ont redonné une lampe, non? Ok, on va aller regarder ici. Oh, les clés sont là. Control room, la salle de contrôle. Il y a quelqu'un qui a coup. What the fuck? Ouais, c'est ici, c'est bon, c'est là. On est dans la petite buanderie, là, où ils nettoyaient le linge. Ok, il n'y a rien. Il y a la carte! Alors, est-ce que c'est nous, déjà? Est-ce que c'est nous? Kyle Schaffer. Statut full-time. Né en 78. Ouais, carte de l'hôpital. Est-ce que c'est nous? Je sais pas. Hein. Je lis la carte, elle est là. C'est bon, let's go. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est quoi ce bordel? On doit rentrer dedans? Je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Ah ah non, non, me dites pas que je dois enlever tous les corps et je me fais courser. Attendez, là, j'enlève des corps. Attendez. Oh, c'est dégueulasse. Franchement, le chapitre-là, il est dégueulasse. Franchement, je sais pas. Les trucs comme ça, vous aimez, vous, quand c'est glauque comme ça? Moi, j'aime bien quand ça fait peur. Hein. Vous aimez bien quand c'est comme ça, c'est vrai? Oh, c'est dégueulasse. C'est vrai? Ah, je sais pas, je me sens mal à l'aise, moi. Genre, c'est bizarre. Ok, on est dans l'ascenseur. Normalement, il va rien nous arriver. Alors, soit il monte à une vitesse, mais soit il monte d'un coup, soit... Oh mon dieu, c'est dégueulasse. On est au deuxième étage. Oh là là. Fuck you, Dwayne. Oh, elle me suit encore. Elle me suit toujours. Non, c'est pas possible. Ah. Ouais, c'est dégueulasse. C'est des zombies. C'est un jeu de zombies. C'est là-bas. Non. Oh.
Oh my god, c'est pas possible. C'est trop. J'en veux plus. Ok. Là-bas, là, ici, oui. Là. Oui. J'ai réussi du premier coup. Là, on est enfermé ici, c'est pas vrai. Oh non, ça revient, les yeux reviennent. C'était avec Lucie aussi, avec... Ah. Il était interné ici et l'ont rendu encore plus fou. Ah merde, je devais me tourner. Du coup, on revient dans la maison. Et ça nous emmène en haut. C'est... Il est là. Ah ! C'est pas possible, non mais n'importe quoi ! Il va pas sauter quand même. Ok, il faut chercher les yeux, encore. Il est là à l'œil. Ok. Il est là. C'est bon, on l'a. Il faut retrouver la porte par contre. Ah bah elle est juste là-bas. Là-bas, ça, j'avais pas vu. J'avais pas vu celui-ci. Ok, maintenant on va pouvoir remonter. Mais j'espère qu'il va pas venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous disent rien. C'est un peu dommage, je trouve. Moi j'aime bien qu'on m'explique quand même, tu vois, l'histoire. Ok. Et là, on se met à la place du coup du mec qui a subi, qui était enfermé à l'hôpital en psychiatrie, non? Ouais. On est en train de vivre ce qu'il a vécu. Et je pense que c'est nous en face, en train de le regarder, non? Tranquilizer. Oh! Non! Il a tué un membre du personnel.